Ok. Ok. Salut les oiseaux. Troisième tirade des poèmes, des textes qui font rigoler. Où on a le cul, les fesses qui rigolent. Ça s'appelle ménage du fion. Ménage à fond. Toc, toc, toc. Je porte allégeance. Cette roue sur laquelle nous tournons est pareille à une lanterne magique. Le soleil en est son ampoule, le monde son écran. Et nous sommes tous les images, visages qui passent dans un cercle infini qui n'a pas de fin. Mélon, drôle et sérieux. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Déçus, décu. Du cul. Par-dessus. Pas déçus. De là, ici et maintenant, séance tenant, rien à voir, rien à faire. Pourquoi et pourquoi pas, comme sonnent les quelquefois. Rentrons dans le vif du sujet. Du sujet. Voilà un texte sans dessus, dessous. Mesdames, vous êtes priées d'aller coucher les enfants. Il y a quelques mots qui pourraient les choquer, encore que de notre époque, on ne sache plus sur quel pied danser. Comme si, comme ça, la jeunesse, tout ça a bien changé. Mais mon cher Robert, cela ne nous regarde pas. Petit aparté aux inconnus, qui leur va si bien. Revenons à nos moutons, Moutons, moutons. Par ici mon kiki, je vais vous raconter une histoire de caca. Kaki, caca, kiki, caca. D'un bout à l'autre, il n'y aura qu'un pas, le pipi au caca. Tout commence au lever, avant ou après le petit déjeuner. Choisir son caca. Choisis comment tu l'appelles. T'inquiète, no soucis. Je disais donc que pour la plupart d'entre nous, c'est l'heure d'y aller. Où ? Au petit coin. Aux toilettes, aux chiottes, bordel de merde pour chier, déféquer, uriner, pisser quoi. L'un semble plus correct que l'autre, mais c'est une seule et même chose. Dites autrement. Question de style, une chose est sûre, quand il faut y aller, vaut mieux pouvoir y accéder à quoi? À la cuvette, au trône, à cet endroit, c'est dame nature qui tient la route. Après cette petite intro, je vous ouvre les portes secrètes qui mènent à mon fameux ménage du fion. Le ménage de fond en comble. Comblez-vous de douceur. Écoutez, le venir, quand on ne s'y attend le moins. C'est le kiki du Ouistiti, le caca du koala, crotte de rat, si tu t'en vas, je te rattraperai. Restons attentifs à notre grand et beau caca. Tendons les oreilles. Il est donc enfin là, le caca. À la porte des deux fesses, de tes deux fesses. Le voilà qui demande au poste de commandement l'ouverture du conduit, sauf conduit pour qu'il puisse atterrir tout droit dans la cuvette avec ou sans lunettes. Mais ce n'est pas fini. La philo du ménage du fion, figurez-vous qu'on en débat à l'Assemblée. Phénomène social. J'arrive. Alors, raconte, Cohen. Si beau, si bon, si puissant, quand en poussant légèrement vient ce qui se fait attendre depuis la veille et qui se réveille maintenant pour notre plus grand bonheur. Voilà mon ménage du fion. Zéro gros caca qui pue et qui est entre dur et mou. On a le cul chanceux. Quelques petites crottes, pas un brin de caca, pas un brin de merde. Mais comment le sage à son corps? Comment est-il possible que s'explique, le corps s'explique? Avec le ménage du fion, faites de votre caca du matin ou à n'importe quel moment, quand il est là, faites-en un moment de dégustation privilégié. Les fesses et le fion comme monsieur propre, pas possible de faire plus clean. C'est donc le must dans ces moments de solitude. Le corpus et l'anus,
sont belles et bien huilées. La tête dans le cul, quel soulagement. Ainsi, mes oiseaux, j'ai donné un nom qui pète le cul à cet ouvrage. La rage au cul. Voilà l'orage, le fion, et là, je fais trop fort. J'ai donc inventé le kit caca clean. J'y ai même ajouté le mode d'emploi pour faire le pas sans tomber cul à cul avec le gars qui n'avance pas juste devant. Donc je disais, j'ai ajouté une notice explicative si peu de choses, des mots écrits sur une feuille de sopalin. Le mode d'emploi, en deux mots. Pour s'en servir, comme une pub, pour s'en servir, déféquer. Chier, puis poser délicatement la feuille où vous savez. Savourez ainsi le moment où, après usage, apparaît votre feuille de sopalin plus blanche que noire. On n'est pas raciste. Rassurez-vous, le caca n'est pas raciste. Je le dis donc juste, je viens de projeter. C'est une chose naturelle qui concerne tout un chacun, sans distinction de quoi que ce soit. Mais mon cher Robert, cela ne nous regarde pas. Voilà, mon kit caca propre est achevé. Il fonctionne carrément bien. Voilà le récit qui s'assoupit. C'est le moment de vous livrer le secret de fabrication qui est inscrit sur la feuille de sopalin. Un mot, allez, devinez, un truc pour que ça marche. Merde. Ça veut bien dire bonne chance. Merde, ça veut dire bien. Good luck, bonne chance. Après, le vrai secret, tout en amont, conditionne tout ce que le corps peut rejeter en aval. Parfois, voilà, j'ai tout dit sur mon ménage du fion. Ménage de fond. Un zeste de rigolade avec des moments où leur corps parle et où il s'agit de composer. Tâchons de faire de notre mieux. Bise. Bon ménage du fion demain matin et vous rendrez vos copies. Pour vous servir, gros bisous, Koan.